Joyeux Noël à tous! Aujourd'hui, nous nous réunissons avec les chrétiens au Canada et à travers le monde pour célébrer la naissance de Jésus-Christ. C'est l'occasion de répandre la joie, d'apprécier les bonheurs de la saison et de prendre part à nos traditions, que ce soit en ouvrant nos cadeaux, en faisant le sapin ou en préparant des biscuits pour le Père Noël. D'un bout à l'autre du pays, l'hiver est arrivé. Et ici, au Canada, nous avons toujours su garder le sourire pendant les journées froides et les longues nuits. Parce que le temps des fêtes, c'est le moment d'illuminer la vie de ceux qui nous entourent. Cela dit, ça peut aussi être une période difficile pour certaines familles. Pour les membres des Forces armées canadiennes qui sont loin de la maison, c'est un autre exemple de nombreux sacrifices qu'eux et leurs familles font. On pense à vous et on est reconnaissant de tout ce que vous faites pour les Canadiens. On pense aussi aux familles qui travaillent fort, mais qui ont du mal à joindre les deux bouts ce Noël. Notre gouvernement travaille fort pour vous aider, que ce soit en introduisant la toute première stratégie nationale sur le logement, en appuyant les aînés ou en mettant plus d'argent dans les poches de 9 familles sur 10 grâce à l'allocation canadienne pour enfants. On est toujours avec vous, parce que c'est ce que les Canadiens ont l'habitude de faire. On appuie nos proches, nos voisins et ceux qui sont dans le besoin. On puise notre force dans nos différences et on célèbre tout ce que nous partageons. Et on fait notre part pour aider les autres et améliorer la vie des gens qui nous entourent. Parce que c'est ça, le véritable esprit de Noël et de notre pays. Alors, en cette période des fêtes, faisons preuve de solidarité, célébrons les autres et continuons de bâtir ensemble un avenir meilleur. De notre famille à la vôtre, Sophie, Xavier, Ella Grace, Adrien et moi vous souhaitons bonheur, santé, amour et paix en cette période des fêtes. Joyeux Noël!